à vous toutes et à vous tous et bienvenue chez Tandem International pour souligner la tenue de la 10e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation qui se tiendra du 24 mars au 1er avril prochain. Depuis 10 ans maintenant qu'une telle semaine a été mise sur pied afin de souligner l'importance de la formation tout au long de notre vie et ce, de mille et une façons. 10 ans déjà où des milliers d'adultes apprenants sont également honorés pour leur démarche en ce qui a trait à la formation. Leur motivation, leur courage, leur persévérance, leur audace, et j'en passe, leur permettent d'atteindre différents objectifs personnels et professionnels. De nouveau cette année, différents partenaires se sont réunis afin de reconnaître et souligner les efforts des adultes apprenants de la région de la Beauce-et-Chemin. Pour débuter, je laisse la parole à Mme Karine Poulin, conseillère pédagogique à la Commission scolaire Beauce-et-Chemin, qui nous présentera les objectifs de la Semaine québécoise des adultes en formation, ainsi que le déroulement des différentes activités pour la région Beauce-et-Chemin. Alors, bonjour, chers collègues du comité organisateur, représentants des médias de la région, distingués invités, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Du 24 mars au 1er avril se tiendra la 10e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. Cette semaine est une occasion unique de souligner la persévérance, l'engagement et la motivation des adultes apprenants de tous les milieux, tant en alphabétisation, en francisation, qu'en formation de base, qu'en formation professionnelle, en formation à l'emploi, en formation personnelle et sociale. Bref, la semaine veut souligner les mille et une façons d'apprendre. Une fois de plus, dans la région de la Beauce-et-Chemin, plusieurs partenaires s'unissent pour mettre en valeur 8 personnes exceptionnelles qui ont su démontrer leur volonté et leur capacité de se former à l'école, au travail ou dans la vie de tous les jours. Dans le but de faire connaître à toute la population le cheminement positif de ces 8 personnes, une publicité sera diffusée dans l'hebdo régional. Pour clore cette semaine d'activité, la persévérance et la détermination de ces apprenants adultes seront récompensés lors d'une soirée reconnaissance qui aura lieu le jeudi 29 mars à l'entrecours du Cégep Beauce-Appalaches. Cette soirée a comme objectif de rendre hommage à ces personnes et souligner devant leurs pairs les efforts qu'ils ont déployés grâce à la formation. Cette année encore, le comité local de la Beauce-et-Chemin a choisi d'honorer une entreprise afin de reconnaître ses efforts pour la formation. L'entreprise Coup de cœur choisie est la coopérative de solidarité des services à domicile Beauce-Artigan. De plus, pour le 10e anniversaire de la semaine, nous avons décidé de le souligner en honorant M. Donald Poulin, un formateur spécialisé en abattage sécuritaire pour toute son implication dans le domaine de la formation des adultes. La soirée sera diffusée à la télévision sur les ondes de Cogeco. Les principaux partenaires impliqués dans l'organisation de cette semaine, issus de la table régionale de coordination de Chaudière-Appalaches, sont la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, le cégep de Beauce-et-Appalaches, le centre universitaire des Appalaches, Emploi Québec, Tandem International, le Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud, la Corporation du développement communautaire Beauce-et-Chemin, et le collectif régional en formation agricole. Pour terminer, pour connaître les différentes activités d'animation et de promotion qui sont organisées dans 17 régions du Québec, nous vous invitons à consulter le site officiel de la semaine au www.adultenformation.com. Merci beaucoup, Karine. La formation en entreprise ne peut que contribuer à améliorer la qualité du travail des travailleuses et des travailleuses, ainsi que la situation de l'entreprise. Une fois de plus cette année, le comité désire reconnaître et souligner les efforts d'une entreprise en ce qui a trait à la formation. La coopérative de solidarité de services à domicile de Beauce-Artigan est l'entreprise coup de cœur en raison de ses investissements significatifs, ainsi que par ses actions posées en lien avec la formation au travail. Je vous présente maintenant Madame Nathalie Frenette, directrice générale de la coopérative, qui nous en parlera davantage. Merci. Merci à tous. Oui, effectivement, la coopérative, vous savez un petit peu qu'est-ce que les services que la coopérative offre. On offre des services à domicile pour la population de Beauce-Artigan.
Et cela nécessite d'avoir un personnel compétent, parce qu'on travaille beaucoup avec des gens qui ont des problèmes de santé élevés, des problèmes cognitifs, et que cette clientèle-là a besoin d'un personnel compétent, et nous devons, en tout cas, on a vraiment cette orientation-là là, de prendre dans toutes les dernières années, mais spécialement en 2011, on a vraiment formé des employés, tout notre personnel. On a deux formatrices qu'on a formées à la coopérative. C'est maintenant des formatrices en entretien ménager sécuritaire et des formatrices en PDSB. PDSB veut dire principe de déplacement sécuritaire des personnes. Donc, cela a nécessité d'avoir aussi une salle de formation. Donc, on a vraiment là, investi pour pouvoir donner les formations à tout notre personnel. On a 75 personnes qui travaillent auprès de la coopérative, des préposés à domicile qui ont à cœur le bien-être de toutes les gens dans des gens à domicile. Donc, c'est vraiment dans ce but-là là, que nous avons vraiment fait là, la formation à la coopérative. Donc, j'ai Marie-Claude Poulin aussi qui est ici avec moi aujourd'hui, qui est formatrice, qui a su se démarquer tout au long de l'année parce qu'elle a vraiment nécessité plusieurs heures de travail pour elle. Donc, pour elle et pour aussi Mme Constance Rodrigue qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. C'est très important la formation, je vous dirais, en tant qu'employeur parce que c'est sûr et certain, ça l'aide à augmenter notre standard de qualité. Ça l'aide à soutenir aussi nos employés dès l'embauche tout en leur offrant un meilleur encadrement. Ce qui peut tout simplement aider à la fidélisation des employés, puis à les maintenir à l'emploi. De plus, la formation augmente le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans ce but-là là, que nous, on a donné, en tout cas qu'on a investi à la coopérative. On s'est assuré que tous les gens reçoivent les services nécessaires. On a aussi formé une nouvelle équipe pour le répit aux aidants naturels. Ce qu'on appelle, c'est des gens qui, répit atypique, qu'on appelle, fait que tous ces gens, on a une équipe de 6-7 personnes qui vont à domicile, qui ont été formées avec la Société d'Alzheimer pour le répit aux heures atypiques. Nous avons aussi la réanimation dans ce groupe-là pour vraiment aider les gens, dans le fond, à demeurer le plus longtemps possible, puis vraiment dégager les aidants naturels. Nous, les préposés vont à domicile rencontrer les gens, les aidants, et ils ont su les formations que je disais tout à l'heure, là, je me répète un peu, là, excusez-moi, en répit atypique, puis RCR, principe de déplacement sécuritaire, et les actes délégués qui est délégué d'une infirmière du CLSC. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Puis je suis vraiment fière en tant que directrice générale de recevoir ce prix parce qu'effectivement, l'année 2011 a été une très grosse année en formation à la coopérative. Puis tout cela, c'est pour le bien-être de toute la population de notre territoire de Beauce-Sartigan. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Frenette. La Semaine québécoise d'adultes en formation souligne la persévérance et la motivation des adultes apprenants. Il ne faut toutefois pas oublier que pour atteindre leurs objectifs, ces adultes sont la plupart du temps accompagnés, formés et guidés par d'autres personnes. Pour la 10e édition, le comité a décidé de reconnaître un enseignant formateur reconnu pour l'ampleur de son implication auprès des adultes en formation. Formateur passionné, spécialisé en abattage sécuritaire, accrédité par la Commission de la santé et de la sécurité au travail, M. Donald Poulin a consacré une grande partie de sa vie à améliorer la sécurité des bûcherons et des abatteurs. Je lui laisse maintenant la parole afin qu'il nous parle davantage de sa passion pour la formation des adultes. Bonjour, mon nom c'est Donald Poulin. Je demeure à Saint-Georges-de-Beauce. Mon métier a toujours été d'être ouvrier forestier pendant 37 ans et travailler la plupart de mon temps du côté américain. C'est là que j'ai commencé à avoir ma formation parce qu'en 1993, ils nous obligeaient d'avoir une formation pour travailler du côté américain. Pour
pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'accidents, puis les assurances, ça coûtait trop cher aux employeurs. Fait qu'on était obligé de suivre une formation qui n'était pas facile à suivre, là, après qu'on avait appris notre métier, nous autres, un peu sur le tas, là. Moi, j'avais 49 ans quand j'ai suivi ma première formation, puis ça n'a pas été facile. Mais je me suis dit, il n'y a rien d'impossible dans la vie, là, si on ne s'essaye pas, on ne réussit pas. Fait, j'ai commencé à donner de la formation, surtout du côté américain. En 1994, là, ils m'ont demandé, des gars d'assurance, puis les gars du CLP, de venir avec eux autres pour donner la formation à ces personnes-là, comme moi, qui ont été à peu près 700-800 qui travaillaient du côté américain. Puis de printemps, je voyais tout ce monde-là, moi, avec trois autres formateurs qui parlaient français. On commençait là, dans le bout de Coben Gard, on allait virer jusqu'à Fort Kent, on faisait tous les offices, là, puis on rencontrait tout ce monde-là pour donner de la formation. Ça n'a pas été facile, là, parce que c'était des gens, là, que, comme moi, là, puis plus vieux que moi, qui suivaient ces formations-là, puis on était des gens qui étaient surtout isolés, hein, qu'on voyait pas personne qui venait nous voir en forêt, puis tout ça. Puis quand ça allait arriver, ce monde-là, là, au travers de nous autres, on était un petit peu stressés, là, de que ce monde-là arrive au travers de nous autres. Puis moi, quand j'ai commencé à rencontrer ces formateurs-là, le premier formateur que j'ai rencontré, lui, il est arrivé à moi, puis il m'a posé une question sur ma scie mécanique, puis j'ai pas pu y répondre. Puis il m'a dit, là, ben, travaille pas avec ta machine, tu la connais pas. Ça faisait 25 ans que je bûchais, moi, là. Ensuite de ça, il m'a fait abattre un arbre. Puis il m'a dit que dans 25 ans, j'avais jamais su abattre un arbre. Et on abattait à peu près 700-800 par semaine. Ça n'a pas été facile, là. Là, il dit, alors, montre-moi là, puis va m'essayer. Fait que là, il m'a montré, là, il m'a abattu un arbre, puis il m'a tout dit si c'était pour arriver, quand il était pour abattre son arbre, là, puis moi, je suivais de proche, parce que lui, il nous avait donné un petit peu de théorie, avec des dessins au tableau, puis moi, j'étais visuel, il fallait que je voie de quoi. Le dessin ne me disait pas grand-chose, là, mais quand il était dans le bois, ben là, j'étais proche de lui, puis il se demandait pourquoi je suivais si proche. Parce que là, il disait, moi, je suis visuel, il faut que je voie de quoi. Puis il m'a abattu un arbre, puis j'ai tout compris. Il dit, dans ma tête, là, je m'asseye, puis tu le fais, je suis capable de le faire moi aussi. J'ai pratiqué ça, là, 6 mois de temps, là, tous les arbres. Puis au bout de 6 mois, là, j'étais capable d'abattre 50% de mon bois correct, 5 arbres sur 10. Après, là, on a remonté le printemps, là, après le mois de la Saint-Jean-Baptiste, on a monté, puis au mois de juillet, au mois d'août, j'étais rendu à 80%. Puis j'ai resté pas mal dans ça, parce que là, j'ai commencé un petit peu tard ma formation, mais des fois, là, j'abats 10 arbres sur 10 correct, puis des fois, j'en abats 8 sur 10, puis ma moyenne, là, est 80%. Après ça, en 2000, j'ai été obligé d'arrêter de travailler du côté américain parce qu'on avait des permis de travail, on n'avait pas de visa, puis on a été obligé de sortir du côté américain. Puis là, moi, en 2000, j'ai dit, je m'essaye dans la formation. Là, j'ai commencé avec l'Association des propriétaires de Boisé de la Beauce, et puis je vous dirais que j'aurais pu faire ça 5 jours par semaine. Il y avait tout le temps de la demande. Puis là, j'ai trouvé là, que ça, c'était important. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient avec de la scie à chaîne, puis qui n'avaient pas les notions de sécurité de ça. Puis je pensais, là, je disais, oui, c'est important que ça, on donne des formations, tout ça. Puis j'ai commencé à l'association à faire 3-4 cours l'automne, puis 3-4 cours le printemps. Puis finalement, là, d'un coup, là, ça s'est mis là, à monter, là, puis j'aurais pu faire ça. C'est à cause, ces cours-là, c'était les fins de semaine. C'était vendredi soir, samedi, dimanche, ça fait que moi et mon épouse, ma conjointe, les fins de semaine, on n'avait pratiquement pas, là, on était tout le temps en formation, là, parce que le monde qui suivait ces formations-là, c'était des gens qui travaillaient la semaine. Leur possibilité pour suivre le cours, c'était la fin de semaine. Fait que là, je donnais ça les fins de semaine. Puis en 2005-2006, là, il me semble que la madame qui travaillait à l'association, elle avait dit qu'elle avait donné de la formation à 1700 personnes. Puis moi, le but de ça, cette formation-là, c'était de montrer aux gens de comment travailler avec la scie à chaîne sécuritairement. Comment abattre un arbre sécuritairement. S'équiper
pour travailler en forêt. Parce que là, en forêt, les dangers sont tout au-dessus de nous autres. Là. On n'a pas des arbres. Puis, j'ai réussi là, à faire équiper plusieurs personnes qui travaillaient en forêt. Il y en avait qui m'arrivaient des fois, puis là, ils me disaient, là, j'ai eu un passé propre. Je me suis équipé après. Mais des fois, je disais au vin, là, ça allait être mieux de t'équiper avant, parce que quand tu allais t'amuser dans le bois la fin de semaine, ton équipement de sécurité, qui te coûtait peut-être bien 500$ là, pour tout t'équiper, ben, tu faisais pas peur d'une semaine de travail. Là. Peut-être bien que tu gagnais ça, 500$ de ta semaine de travail, là, puis tu n'avais pas ton équipement de sécurité, peut-être bien que tu perdais ta semaine de travail, puis là, ben, tu n'avais pas ton équipement de sécurité. Là. Mais finalement, là, il est venu à bout de te faire comprendre au vin là, que l'important pour t'en aller t'amuser en forêt, c'était mieux de t'équiper. Chapeau, gants de sécurité, pantalon de sécurité, bottes de sécurité, t'assis à chaîne avec tous les dispositifs de sécurité qui étaient en bon équilibre, en bonne uniforme sur t'assis. Après ça, ton affûteur. Parce que là, tout le monde disait, ben moi, là, c'est mon grand-père qui m'a montré ça, mon père qui m'a montré ça. Puis là, il m'arrivait avec lui aussi, puis là, elle regardait ça, puis c'était pas correct, les affaires, là. Ça fait que c'est un peu ça, là, qui m'a apporté d'aller donner de la formation, parce que je disais, des fois, il y a ces gens-là, ils téléphonaient chez nous, des fois, là, puis ils disaient, bon, on voudrait suivre une formation. Des fois, on avait d'autres choses à faire à la maison, là, mais je disais aux gens, là, ben, si tu veux venir à la maison, je peux te montrer un petit peu là, c'est quoi là, puis inscris-toi dans un cours qu'on va donner d'affûteur ou d'avatar, puis ça va améliorer là, tes possibilités de travailler en forêt sécuritaire. Être capable de terminer les dangers avant d'abattre ton arbre. Ta voie de retraite. Les gens avant, même moi, on abattait un arbre, puis on restait à souche. Puis là, partait, puis on divisait un salut. On était toujours à danger, là. Quand on a suivi nos cours, ils ont dit, un monsieur de la Suède qui est venu du côté américain nous montrait ça. Il disait, ton arbre, quand il commence à marcher, tu marches toi aussi. Tu ne sais plus, là. Là, on disait, ben, faut scier pour le faire virer. Un monsieur nous disait, notch-les à la bonne place, puis t'as pas besoin d'être ici pour le faire virer. Parce que là, sur assis mécanique, il y a des milles pour abattre ton arbre. Puis on prenait pas ça, là, on ne savait pas. Mais après qu'on lui a appris qu'il y avait des milles sur assis à chaîne, c'était facile là, de dire mon arbre va tomber, un, vos deux. C'était pareil comme sur la carabine. Là. Et puis, je trouvais que ça, c'était important. Aujourd'hui, là, tout le monde qui a donné de la formation, on rencontre des gens, des fois, ça fait 10 ans que j'ai donné de la formation. Puis là, ils me disent, bonjour, M. Poulin, mais je ne peux pas dire le nom, moi, là, mais qui sait que j'ai donné un coup. Bon, ben, c'est à peu près ça, là, mon petit cheminement que j'ai fait en abattard puis en affûteur. Puis ça me plaît. Ça me passionne, ça, là, de m'en aller en forêt, là, puis montrer aux gens, des fois, ils m'arrivent avec des arbres, là, que c'est pour eux autres que c'est impossible. Puis moi, j'arrive là, là, puis je regarde ça un peu, là, puis je dis, oui, ça, je suis capable de vous abattre ça. Puis là, ils aiment ça, les autres, de voir des arbres compliqués, là, à abattre pour eux autres. Moi, des fois, c'est vraiment compliqué pour moi, parce que quand c'est trop compliqué pour moi, je dis, bon, ben ça, je peux pas faire ça, là. Mais c'est rare que je peux pas faire ça. Ben, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, M. Poulin. Alors, merci de votre attention. En terminant, j'aimerais vous présenter les gens du comité et je les invite à venir nous retrouver à l'avant. Et par la suite, c'est avec plaisir que nous pourrons répondre à vos questions si vous en avez. Alors, j'aimerais vous présenter Mme Mélanie Huot du Centre universitaire des Appalaches. Madame Chantal Routier du Cégep Beauce-Appalaches, Madame Karine Normandeau du Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Sud, Madame Sandy Roy du Collectif Régional en Formation Agricole, Monsieur Gérard Hamel d'Emploi Québec, Monsieur Carl Thibodeau de la Corporation de Développement Communautaire de Beauce-et-Chemin, Madame Karine Poulin de la Commission Scolaire Beauce-et-Chemin, ainsi que moi-même, Audrey Paquette de chez Tandem International.
Alors, si vous avez des questions, je vous laisse y aller. Merci beaucoup.